Bonjour et bienvenue dans votre premier épisode de la Villa de la Tentation. Et si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, sachez qu'on a fait la présentation des deux prétendants de Miss Darkito et des deux prétendantes de Miss Darkito. D'ailleurs, en parlant des prétendants de Miss Darkito, voici un petit résumé. On va découvrir les deux tentateurs qui tenteront de séduire Miss Darkito. Et on a Kevin et Antoine. Alors moi, c'est Antoine. Eh oui, parce que vous ne me connaissez pas. Mais en tout cas, dans la vie, j'adore faire du surf. J'ai le même âge que Miss Darkito. Franchement, ça pourrait être un super avantage, vous trouvez pas? Enchanté, moi, c'est Kevin. J'ai été diplômé de l'université de Brookhaven. Et en plus de ça, je viens de Bretagne. Alors franchement, vive les Bretons. Eh, avouez, ils sont beaux gosses, hein. Miss Darkito qui est à côté de moi, c'est même pas à quoi ils ressemblent. Parce que ouais, ils vont se présenter tout de suite à Miss Darkito. Oh, j'ai trop hâte de savoir à quoi ils ressemblent, j'espère qu'ils sont super beaux. Oh, elle a dit super beau. Attendez, ça veut dire que si elle va les trouver super beaux, elle va craquer les péchos et tromper Darkito. Oh, oh là 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 là, ça commence super bien, ça va être croustillant tout ça. Bon, Kevin, tu peux rentrer dans la villa. Oh là 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 là, j'ai vraiment hâte de découvrir Miss Darkito. Oh, Miss Darkito. Oh, Miss Darkito, bonjour. Enchantée, Kevin. Bah, tu peux me parler un peu de toi parce que moi, je te connais pas du tout. Ah oui, parce qu'elle va devoir choisir son prétendant préféré. Alors, moi, c'est Kevin. Je suis vraiment enchanté de découvrir Miss Darkito. Parfois, je peux paraître un petit peu intimidé, un peu surpris, mais sache qu'au fond de moi, il se cache un grand cœur. Eh, tu le découvriras tôt ou tard. Bah, me présenter. En tout cas, j'ai à peu près le même âge que toi, j'ai 2 ans de plus que toi. Et comme je l'avais dit plus tôt, je viens de Bretagne. Et ouais, parce que j'aime bien la Bretagne, je sais que tu viens du sud. T'inquiète pas, j'ai un petit peu tout découvert sur toi. Je te connais par cœur, Miss Darkito. Et dans la vie, sache que je suis le meilleur barman. Eh oui, je suis barman, je te ferai les meilleurs cocktails. Alors j'espère que t'aimes le mojito. Et sans alcool, bien sûr. Ah, c'est super intéressant. Voilà un profil qui est complètement différent de Darkito. Un beau gosse qui est en plus barman et qui en plus va faire des petits cocktails à Miss Darkito. Et en plus, apparemment, t'as un atout en plus par rapport à l'autre prétendant. Tu peux nous en dire plus? Ah, mon petit atout en plus? Ben, c'est un truc que Darkito n'a pas. Darkito ne sait pas danser. Eh oui, je suis un professionnel de la danse. Alors, prêt pour un petit slow? C'est super croustillant ce qui se passe. Alors, Miss Darkito, comment tu le trouves? C'est vrai qu'il est pas mal, mais bon, moi je suis en couple avec Darkito, hein. Du coup, ce qui compte, c'est Darkito pour l'instant. Et en plus de ça, je déteste les mojitos, c'est pas bon, vous aimez, vous les amis. Et d'ailleurs, comment il sait que Darkito, il sait pas danser? Personne ne le sait, ça, normalement. C'est vrai, comment tu sais ça, toi? Trop bizarre. Bon, viens t'installer à côté de moi et on va de suite accueillir Antoine. Bonjour lui c'est Kevin. Oh là là, je suis trop beau gosse comme ça. Petit snap, petite story, boum. Ah, salut tout le monde. Il a pas l'air vraiment hyper respectueux. En plus de ça, il a la voix un peu aiguë, je sais pas, c'est... Attends, si moi tu crois que je suis pas sexy? Mais attends, tu te prends pour qui toi en fait? Tu sais pas qui je suis? Moi, je suis un méga super surfeur. En plus, je fais beaucoup de sport. Et en plus, apparemment, j'ai beaucoup d'humour. Bah ouais, je fais des one man show. Alors, regardez, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Darkito! Parce qu'il s'appelle Jonathan, vous avez pas compris? Oh purée, c'est vraiment super nul! Oh là là, tu devrais de suite arrêter de faire des blagues comme ça! Ah, il se parle humoriste, surfeur. Bon, t'as quoi comme avantage en plus de Kevin? Bah attendez, moi quand même, vous savez pas ce que je sais faire! Moi, je sais faire ceci, regardez! Est-ce que vous êtes prêts? Allez! Hop là! C'est du yoga! Mais non, je rigole, regardez! Moi aussi, je sais faire de la danse! Hop là! Tac tac tac! Kevin, est-ce que tu sais faire ça? Hop là, bouge tes petites fesses, comme ça! Oh là là, je pensais pas avoir invité un pitre à cette émission. Est-ce que tu le trouves drôle au moins, Miss Darkito? Eh ben disons que je le trouve déjà beaucoup plus drôle que lui. Mais je croyais qu'il faisait un peu d'humour. Il s'arrête plus? Il s'arrête plus de danser? Oh non, je trouve que ça va être compliqué. Oui, j'espère que t'auras d'autres trucs à montrer à la maison. Donc garde ton talent pour plus tard. Oh, ça commence mal quand même. Bon! Super, maintenant, Miss Darkito, tu vas devoir choisir ton prétendant préféré entre les deux.
Bon, bien sûr, franchement, on sait très bien qui tu vas choisir. Mais ça veut pas dire que plus tard, tu pourras pécho un des deux ou pourquoi pas les deux. Et puis, voilà, t'as juste à choisir ton préféré et comme ça, tu auras une petite surprise avec lui. C'est aujourd'hui la surprise ou bien c'est demain? Ce sera demain, mais au moins tu sais avec qui tu feras la surprise. Ok, ok, mais moi par contre, je sais toujours pas à quoi elle ressemble la maison. Du coup, j'ai trop envie de la voir. Est-ce que je peux rentrer? Je peux rentrer, Minarquito, s'il te plaît? Oui, mais... Oui, allez, va la visiter et après tu me dis qui tu préfères entre les deux. Imagine, tu choisis, je sais pas moi, Kevin, le mec à côté de moi là, ou l'autre là-bas, là, ce fou qui s'appelle Antoine, là, qui est totalement bizarre. Ah, ils sont tous bizarres, les Antoine, quand même. Ben, choisis le premier, ça c'est certain. Puis attends, je sais pas en fait. Oui, premier pour l'instant. Bon, mais Darkito, désolé, j'ai pas le temps, moi je veux trop visiter la villa, je vous laisse, les garçons. Ah, les amis, c'est trop bien, je vais pouvoir passer du temps ici. Bon, j'aurais préféré que Darkito soit avec moi. Mais bon, moi ça fait des vacances gratuites, c'est génial. Et en plus de ça, je vous rappelle que je vais pouvoir manger tout ce que je veux, plein de trucs super bons. Alors, bon, je suppose que ça c'est ma chambre. Oh super, il y a une douche à italienne. J'espère que j'arriverai à faire entrer Darkito dans cette villa. En secret, ce serait quand même top pour pouvoir qu'il nous rejoigne ici et qu'il passe la nuit avec moi. Oh, imagine la tête des deux garçons s'ils voient moi avec Darkito dans le lit. Oh non, c'est trop bizarre. Bon, allez hop là, on visite la chambre des garçons. C'est pas mal, bon, masculin, mais c'est pas... pas super, j'aime pas trop. L'autre chambre pour les autres garçons. Ouais, bon, ok. Je sais pas les amis, mais c'est pas très coloré cette maison. Enfin, un truc bien. La chambre des enfants, mais c'est dommage, y'en a pas. C'est pas grave, on va aller du coup voir... Ah, bah, ok, bah, elle est en nulle cette salle de bain, elle est toute petite. Mais bon, c'est parfait pour les garçons, super. Moi, je vais voir l'étage en bas, et j'espère qu'il y a des trucs beaucoup mieux. Oh, un salon. Bon, bah, je sais où est-ce que j'ai passé tout mon temps. Et au bord de la piscine aussi. J'espère qu'il ne va pas trop m'embêter, les garçons. Bon, les garçons, c'est votre première journée. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Et puis, attention, faut pas la pécho rapidement. Sinon, vous allez la faire fuir. Miss Darkito, elle aime quand ça se passe avec un peu de tendresse, d'amour, de câlins, des bisous, des trucs comme ça. Alors, amusez-vous bien. Et dans tous les cas, tout est filmé. Allez, moi, je m'en vais. Je vais animer l'émission. Encore une fois, j'espère que j'ai trouvé des trucs croustillants à vous raconter. Et à trouver dans cette villa. Allez, hop là, n'oubliez pas qu'il y a aussi la villa des filles qui est juste à côté là-bas. Là-bas, il y a la villa des filles et ça va commencer dans la prochaine vidéo là-bas. Vous allez voir la prochaine vidéo, on va passer aux filles d'Arkito et pourquoi pas d'Arkito qui pêche déjà une nana dès le premier jour. Vous imaginez, ce serait vraiment incroyable. Qu'est-ce que j'aime bien pouvoir regarder à la télé? C'est dingue parce que, en fait, quand. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, au moins, j'ai oublié qu'en quoi il y avait des garçons ici. Bon, j'ai regardé un truc à la télé, ça te dit de rester là et moi je vais dans la chambre. Attends, tu sais, je t'ai trouvé vraiment ravissante tout à l'heure, je voulais pas te le dire devant tout le monde, mais vraiment, t'es vraiment magnifique. Enfin, ton visage, tes yeux... Après, attention, j'ai pas dit que je voulais quelque chose avec toi, je t'ai juste trouvé ravissante. Ça veut pas dire que je veux quelque chose avec toi, sache-le. On peut très bien être amis, collègues de travail, ou quoi que ce soit, mais j'ai jamais dit que je voulais te... pécho, ça qu'on dit, les jeunes, même si j'ai ton âge. Mais bon, maintenant, je pars un petit peu vieux, non? Ouais, c'est sûr. Enfin, ce qui est certain, c'est qu'on sera jamais collègues de travail. Et puis jeune, je t'assure. Bon, qu'est-ce qu'on disait à part ça? Tu m'as trop gênée, par contre. Je pense que la prochaine fois, tu devrais garder tes compliments pour quelqu'un d'autre. Allez, je te laisse, ok? Trop gênant. Je me sens totalement étouffée et je pense que là, c'est un peu trop pour moi. Du coup, je vais prendre... Oh, une douche, super, une douche, ça me ferait du bien. Je lave un petit peu et pour l'instant, je vais respirer et je serai mieux tout seul. Comme nous pouvons le voir, Miss Darkito est en train de prendre une douche pendant que le garçon là-bas est vraiment... Bah, il a pas l'air déprimé, il a l'air super content en fait. Ah, j'ai terminé ma douche, ça me fait vraiment du bien. Ça m'a beaucoup rafraîchi. Allez, je vais... Mais... Bon, bah, je vais rejoindre les garçons et j'espère que... Mais qu'est-ce qu'ils font? Bon, l'autre là, il est toujours devant la télé. Et toi, tu fais quoi? Tu fais à manger? Ouais, exactement. Je pensais que t'avais faim, je me suis dit que ça te plairait, du coup j'ai fait ton plat préféré. Tu peux manger, c'est pour toi. Mais c'est vraiment super mignon, merci beaucoup. Ah, ça en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Darkito, bah, il sait pas me faire à manger. Hein. Ça, c'est vraiment trop avantageux. Allez, hop là, je m'assois là, et j'espère que ça va être bon. Enfin, je croise les doigts. Mais waouh, mais tu sais trop bien cuisiner, c'est trop bon! Oh non, mais j'en veux encore, c'est trop trop bon! Ça dirait pas d'être plutôt notre cuistot pendant ces vacances à la villa? Oh, ce serait trop bien! Oh, tu sais, je sais faire beaucoup d'autres choses! Et oui, j'ai fait un CAP cuisine avant de faire un master pour devenir avocat
Et puis ensuite, maintenant, bah, je suis surfeur professionnel. Mais c'est quand même vraiment fou parce que j'ai toujours rêvé de faire du surf. Tu voudrais pas m'apprendre un jour, enfin, je veux dire m'apprendre dans le sens me donner un cours de surf, quoi. Ça te dirait ? On pourrait, en effet. Il faudrait que je demande à la production pourquoi pas une petite journée entre nous pour apprendre à faire du surf. Ou pourquoi pas... Non, c'est très bien, en fait. On va faire ça. Alors, je vais lui écrire une petite lettre d'amour. Hop là. J'espère vraiment qu'elle va adorer, mademoiselle. Je sais déjà que tu vas être la mère de mes enfants depuis le premier jour où j'ai posé mon regard sur toi. C'est pas mal. Bon, je te laisse un peu tranquille, je vais regarder s'il va bien. Kevin, je crois, non, tu t'appelles. Mais dis-moi, tu fais quoi avec cette feuille à la main ? Oh, bah, rien, j'étais juste en train d'écrire une lettre d'amour. Pour quelqu'un, une admiratrice, quelqu'un qui regardait il y a quelques secondes et qui vient de me demander ce que je faisais. Bah attends, mais c'est qui ? Je vois personne, moi ! Mais on a dit qu'on n'avait pas au téléphone ici ! C'est toi, ma future princesse. Quoi, moi ? Mais on se connaît même pas ! Oh non, c'est vraiment trop bizarre. Bon, en tout cas, c'est vraiment super romantique parce que Darkito, bah, il m'a jamais écrit une lettre de toute ma vie. Donc c'est le truc le plus romantique qui existe. Ah, oh, c'est vraiment dingue parce que je remarque en quoi il y a beaucoup de choses que Darkito, il a pas. Oh là là, il commence déjà à se passer énormément de choses dans la villa. Les amis, je vais devoir tout raconter à Darkito. J'espère qu'il est prêt parce que là, franchement, commence à se passer beaucoup de choses. Des petits rapprochements, des petites paroles, des petites lettres. Oh là là, il va être super jaloux. En tout cas, les amis, si vous voulez voir la suite, n'hésitez vraiment pas à liker et à vous abonner et à regarder du coup la suite.